Les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vous retrouve aujourd'hui avec une journée un peu particulière. Je devais avoir mes petites jumelles en garde, elles sont malades. Donc voilà, la maman les a gardées. Donc je me retrouvais avec mon petit Ilan et mon petit Méo à moi. Voilà, donc aujourd'hui, un coup il fait soleil, un coup il fait gris, il fait froid, il y a du vent. Enfin bon, bref, on est quand même sortis. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais refaire l'organisation de ma cuisine une fois les enfants au lit. Parce que là, pour le moment, je vais m'occuper d'eux. On va faire des jeux, surtout avec Ilan. Voilà, on va faire peut-être des Legos. Ou... Oh. Une pyramide? Oui. Allez, on fait une pyramide. Tiens, tu fais avec nounou? Tiens, là, regarde. Hop. Hop. Vas-y, va le chercher. Attends. Oh là 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 là. Tu en mets un autre? Oui. Allez, on essaie que ça tombe pas. Hein. Hop là! Fait quoi maintenant? Avec les carrés comme ça, regarde. Ah. Non, tu fais avec les ronds? C'est quelle couleur ça? Rose. Il le dit toi? Ouais, on met un petit carré. Regarde, comme ça. Allez, vas-y, un autre. Ouais, si tu veux. Bon, lui, il va lécher les trucs. Mais... Ouais, il va les mettre à la bouche. Oh non. Tu lui dis, Timéo. Timéo. C'est des nouveaux joujoux? Vas-y, fais une jolie pyramide. Donc voilà, je viens de coucher mon petit monde. Juste le temps de débarrasser ma table, voilà, de ce midi. Et puis, je vous reprends en voix off pour mon organisation cuisine. Je vais certainement un peu dégorger mes tiroirs, ils en ont grand besoin. À tout de suite. Donc je vous retrouve en voix off. Je vais débarrasser mon plan de travail pour pouvoir commencer mon petit nettoyage. Je vais démonter l'aération pour pouvoir la nettoyer parce que le gras s'est infiltré dedans, donc il faut que je le nettoie régulièrement.
Et bien sûr, je vais en profiter pour faire le dessus de mes placards qui sont bien gras aussi. Je vais donc nettoyer ma hotte et le côté de mon placard. Alors là, je vais utiliser mon super chiffon que je trouve à Action avec du produit vitre pour finir le nettoyage de mon meuble. Et j'en passe aussi un petit coup sur ma hotte. Alors je ne sais pas si vous voyez correctement, mais ça fait des petites bulles de graisse qui ne voulait pas partir. Et j'ai pris mon éponge magique, vous allez voir, c'est vraiment magique. Enfin, je vais nettoyer ma gazinière, le tour de ma gazinière. Alors là, je m'attaque à ma fenêtre, donc je fais les contours hein, et puis la vitre. Là, je vais faire le deuxième meuble haut, pas pour nettoyer aussi le dessus parce que la graisse s'infiltre vraiment partout. Enfin, je vais commencer mon tri. Donc j'ai commencé par le placard des verres où j'ai pour pouvoir nettoyer l'intérieur du placard et repositionner tout comme je voulais le faire. Donc dans ce placard, j'ai des boîtes où je mets mes grands couteaux parce qu'en tant qu'assistante maternelle, on n'a pas le droit de laisser les couteaux à portée de main. Et j'avais une autre boîte avec plein de babioles, donc j'ai tout mis dans la même boîte et ça m'a fait une place énorme. J'ai aussi une boîte où je mets toutes mes préparations gâteau en fait. Et là j'ai trié par date et puis j'ai rangé à nouveau pour que ce soit un peu plus propre. Et dans un premier temps je l'avais remis dans le placard et puis après j'ai changé.
Donc pour les couverts, j'ai fait pareil, hein. J'ai sorti tous les couverts, j'ai nettoyé et j'ai rangé à nouveau. Pour ce tiroir, j'ai vidé, j'ai complètement, bah pareil, hein, nettoyé et j'ai supprimé des choses. Alors le tiroir à casserole, c'est celui qui est souvent le plus sale. Donc là, c'est pareil, j'ai sorti, j'ai nettoyé et j'ai trié mes poêles. Alors là, c'est le tiroir des épices, de l'huile. J'ai simplement enlevé les épices, le vinaigre, l'huile, j'ai un peu tout nettoyé et j'ai rangé au mieux. Donc ce tiroir se trouve sous ma gazinière, donc souvent très sale aussi. J'ai donc tout sorti, j'ai nettoyé et j'ai rangé à nouveau. Pour celui-ci, il n'y avait pas grand-chose à faire, mis à part nettoyer le tiroir et remettre les objets à l'intérieur. Donc celui-ci, c'était un peu le tiroir catastrophe. C'est là où je stockais tous mes biberons. Au final, j'en avais pas besoin d'autant. Donc j'ai mis dans un carton les biberons que j'avais plus besoin et j'ai gardé ceux que j'avais besoin encore, que j'ai mis dans un autre tiroir. Donc dans ce placard, il y a des étagères pour les épices, le petit déjeuner, les goûters, les compotes. Donc là, j'ai tout simplement réorganisé, c'est-à-dire j'ai nettoyé, j'ai remis en place ce que j'avais besoin et j'ai rajouté d'ailleurs la boîte de mes préparations pour gâteaux. Donc la vidéo est maintenant terminée. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous et rejoignez-moi sur LindAnimums Instagram. À bientôt les amis. Il est couillon cet enfant.